Depuis 2008, François Bousnel est aux commandes de La Grande Librairie sur France 5. Une émission littéraire de 90 minutes, diffusée chaque mercredi soir sur France 5, dans laquelle des écrivains connus comme moins connus, français comme étrangers, viennent présenter leurs derniers ouvrages. Des centaines d'auteurs se sont succédés sur le plateau de ce rendez-vous culturel devenu incontournable pour de nombreux téléspectateurs. Ces derniers peuvent d'ailleurs se réjouir, puisqu'ils pourront continuer à suivre le programme à la rentrée prochaine. En effet, comme l'a révélé François Bousnel, en exclusivité lors d'un entretien accordé à Téléstar, en kiosque ce lundi 7 mai, La Grande Librairie sera bel et bien renouvelée pour une 14e saison en septembre prochain. Mais ce n'est pas tout, les amateurs de belles lettres auront également le plaisir de retrouver La Petite Librairie après le journal de 13h de France 2 et avant le 19h20 de France 3. Une véritable aubaine pour François Bousnel qui avait lancé ce format court, dérivé de son émission phare, pendant le premier confinement avec l'aval et la confiance de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. François Bousnel, la lecture peut sauver des vies. Il faut dire que le succès de La Grande Librairie est tel que le magazine d'actualité permet même de booster les ventes de certains livres en librairie. Un engouement dont se réjouit François Bousnel qui est convaincu que la lecture peut changer la dynamique d'un pays, nous ne sommes que des silex qui se frottent les uns aux autres. Je ne suis un, le lecteur un autre et le libraire, est le troisième qui va allumer le feu. Nous a confié le compagnon de la romancière Delphine de Vigan avant d'ajouter, je veux utiliser la télévision pour transformer les électeurs en lecteurs. Un défi que l'animateur s'est aussi donné pour mission de mener auprès de la jeunesse en participant régulièrement à des actions de lutte contre l'illettrisme, la lecture et la musique sont les meilleurs ciments sociaux. La lecture peut sauver des vies, assure-t-il. Interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Téléstar en kiosque et en version numérique ce lundi 7 juin.